Salut la famille, il est très tôt, il est 7h du matin. Aujourd'hui nous allons aller faire de la course. Et pour aller faire de la course, on va prendre une voiture de course. Voici la bête pour aujourd'hui. Donc on est dans une perf spider. Comme celle que j'ai conduite il n'y a pas trop longtemps avec Jelly, mon pote. Bonjour. Bonjour, voilà, il parle un peu de français, Vadan. Et on va aller faire du kart, mais pas n'importe lequel de kart. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu que j'essaie d'en faire de plus en plus. J'adore ça. Je suis pas le plus bon, mais je m'entraîne. Et aujourd'hui, on va conduire les premiers karts 100% électriques avant qu'ils soient annoncés dans un championnat. Donc il va y avoir un championnat et on est quelques-uns des premiers à pouvoir les conduire, donc ça va être vraiment vraiment stylé. J'ai trop hâte, en plus sur un circuit top. Et on y va en lambeau. Alors on a presque 2 heures de route et les sièges sport lambeau sont connus pour être assez hardcore, donc on va voir comment on s'en sort. Moi j'ai dû garder un sac là devant avec moi, mais la config est magnifique. Carbone forgé de partout, littéralement de partout, même sur les poignées de porte, les surpiqûres vertes. Ouais, très très belle. Allez, on va voir, c'est parti, 2 heures de route. Comment se réveiller le matin. Le toit quand même pour l'autoroute, c'est rapide, hein. Voilà, prêt pour l'autoroute, c'est parti. Vous avez entendu là? Ah, ce bruit là, c'est en sport. Ah ouais, donc les valves sont ouvertes. Alors on est à 10 minutes maintenant, on a fait nos 1h30 de route et franchement les sièges, mieux que ce que je pensais, parce que j'ai tellement entendu d'histoires par rapport à ces sièges. Bon, c'est pas comme dans la Porsche, c'est quand même très très hardcore, mais en ville, c'est où tu le sens le plus parce que t'es en train de bouger de partout, t'as plein de bosses. Sur l'autoroute, c'est assez plat, c'est assez constant, donc en vrai les sièges, tu sens moins la dureté des sièges, mais le reste de la voiture est tellement stylé. Il y a tellement, genre au courant, t'es dans un truc spécial, quoi, une sensation d'événement quand t'es dans la voiture. J'adore. Le plus de temps que je passe dans ces perfs, je kiffe à fond. Et en mode strada, tu vois, là on s'est mis en strada, ça va. Il y a quand même pas mal de bruit de vent dans la Spider, mais tu pourrais faire pas mal de kilomètres quand même dedans. Bref, on va arriver au circuit. Circuit karting Mourinho. Alors regardez un peu la config extérieure parce qu'elle est super belle. T'as le carbone forgé gloss, la plupart sont en mat. Par contre, Jelly vient de me dire, c'est vrai, que c'est bizarre qu'il y ait du carbone donc normal ici et tout le reste de la voiture, c'est en carbone forgé. Mais bon, après les jantes sont tellement, tellement stylées. Les écrous centraux, très, très belles. Bon, circuit de Brignoles, vous connaissez tous sûrement. Donc, faut qu'on mette des protège-côtes parce que sinon tu prends super cher au niveau des côtes. Il se passe quoi, Flo, si on met pas les protège-côtes? Juste... Tu risques de casser tes côtes au bout de 2-3 jours. Super, splendide, magnifique. Voici la bête du jour. Impressionnant. Donc, 100% électrique, bien sûr, c'est le but du jeu. Premier kart de ce type, pour donner une idée, c'est aussi rapide qu'un kart KZ que j'ai pu conduire il y a quelques semaines et c'était tellement violent. Alors regarde, on a des freins avant. Donc souvent sur ce genre de kart, t'as juste les freins arrière. Là, on a les freins avant. T'as pas de réservoir du coup, parce que c'est 100% électrique. T'as juste la batterie là. Donc ça fait bizarre à l'œil au début, mais tu t'y habitues. Mais t'as tout, donc du coup, pour ta télémétrie à travers cet écran ici. Et tu peux ensuite tout transmettre sur un iPad pour pouvoir le regarder après ta session. T'es prêt, Jelly? Oui. C'est parti. Alors, essaie pour voir au niveau... Je rentre comme ça, je me mets là. Là. Allez. Ouh. Aïe aïe aïe. Alors là c'est pour voir les pédales. Ouais. Moi je suis pas le plus grand donc... Putain, le volant il est... Oh, il est beau, il est neuf. Regarde juste déjà le volant, ça te coupe comme ça. Déjà on descend le volant. On va, je pense, approcher du pédale un peu. Ouais, ça c'est top. Ouais. Ouais, c'est bon pour moi.
Ça là, c'est parfait. Ah, en bas. Vrai. Après la pédale là, l'accélérateur. Bon, bah, ouais, ouais, juste c'est ça, le cale-pied, est-ce que c'est bon? Le cale-pied. Ouais. Regarde juste le frein, déjà. Le frein est un peu loin là. Ok. Ouais, est-ce que donc on arrive à le. Avocate. Alors je vais vous amener avec moi pour un tour du circuit de quart de Brignoles. On a commencé à l'arrêt là sur la ligne d'arrivée. J'ai Jelly juste à droite, j'essaie de rester devant. Alors le circuit est super difficile, il commence avec ce virage vers la droite qui se renferme là à la sortie. Ici c'est le premier de 4 virages serrés. Je reste un peu à droite pour essayer de bloquer Jelly. Et là en fait la clé d'avoir un tour qui est pas mal, c'est d'essayer de ne pas glisser sur la sortie de ces virages avec le couple infini de l'électrique. On arrive là à gauche, rapide, gros freinage. On utilise les freins avant de ce kart. Troisième virage serré sur le quatrième ensuite, où là, il faut vraiment essayer d'utiliser la ligne extérieure pour avoir le maximum de vitesse pour arriver dans ce virage à droite qui lui aussi se resserre juste là sur la gauche. Là, en double droite avant le virage le plus important du circuit. Le dernier chicane, là, vers la gauche, puis la droite où il faut essayer de garder le maximum de vitesse pour avoir une vitesse de pointe la plus haute possible sur la ligne droite. Voici un tour avec moi à Brignoles. Eh ben mince, la dernière fois que j'ai vu cette caméra, c'était il y a un bout de temps, j'ai complètement zappé de vlogger. J'étais tellement focus sur le kart que j'imagine que je vais sûrement faire de la voix off pour cette vidéo parce que ouais, on a plein de vidéos GoPro. Ouais, j'ai oublié de faire les vlogs. Allez, c'est parti ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est reparti dans la perf, mais en tout cas incroyable, ce kart est dingue et tellement plus facile à rouler que les cartes thermiques que j'ai roulé la dernière fois. Donc non, j'ai vraiment aimé, c'était une expérience vraiment, ben, ça m'a juste ouvert les yeux envers le potentiel des électriques. Vas-y. Ouh, ouh, ouh. Not bad, not bad. Bon, une bonne manière de terminer la journée. Je pense que bon, je vais dire c'était réveillé quand même pour geler dans la voiture, pas de dodo pour moi, mais j'avoue qu'on est claqué là. Oh, c'est bruit. Allez, c'est parti, merci la famille en tout cas d'avoir regardé la vidéo parce que c'est un kiff de vous amener sur ce genre d'aventure. Je pense que vous avez vu dans les derniers mois que je suis à fond dans tout ce qui est circuit. J'ai vraiment été piqué et ouais, j'ai que envie de continuer à faire le plus possible de tout ça. En tout cas, merci, merci Jelly. Merci beaucoup, et bonne journée. Bonne journée, bonne soirée peut-être. Au pire, c'est la famille 18h. Ciao les gars. Bye.